ça, tu as été un peu tous les jours sur la nouvelle passerelle. Et puis tu t'es dit, mais rien ne bouge. Si rien ne bougeait, est-ce que je t'aurais dit que les choses bougent? Non, non. Simplement, nous sommes dans la zone hélicoïdale. Alors, ce qui avance, ce qui recule, tout ça n'est plus prévisible. Pour te dire, j'arrive même plus à faire un nœud de cravate, ça me file entre les doigts comme le temps. Mais nous les vaincrons. En attendant, nous voilà tout proches du day D, du jour J, du J plus 66, du D plus 66. Le jour où nous ouvrons la passerelle à quelques valeureuses personnes qui seront certainement flattées, même honorées, d'être parmi les quelques privilégiés qui pourront essayer en avant-première cette nouvelle passerelle. Comment nous les choisissons? Comment nous les choisissons? Ça n'est pas ton problème! Est-ce que tu en feras partie? Mais tu es malade ou quoi? Regarde-toi! Tu es complètement creux, en faillant, c'était une tête de cheval. Attends, pour qui? Attends. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui te dirons. Tu seras prévenu bien assez tôt si tu as le droit d'y aller avant les autres, mais n'y compte pas trop. Et sinon, tu attendras 66 jours de plus, ça qui fera 120, et alors là, t'as intérêt à être prêt! Au bout de 120 jours, soit 66 plus 66, c'est pas une tête de cheval que t'auras. C'est pas une tête de cheval!